installer l'éco-compteur Legrand en CPL sans coffret de communication. Je viens de refaire l'intégralité de mon tableau de répartition des lignes électriques qui datait des années 80. J'en ai profité pour sectoriser et installer un éco-compteur de la marque Legrand. Celui-ci permet de comptabiliser les consommations électriques des lignes différenciées que l'on peut consulter via une interface claire directement sur son PC. Pour cela, l'éco-compteur a besoin d'être connecté avec votre box Internet, mais il n'est pas Wi-Fi. Il n'a pour seule interface de communication avec la box Internet une prise réseau RJ45. Bien entendu, il est hors de question de tirer un réseau Ethernet dans toute la maison. Pour pallier à ce problème, j'ai pensé à faire communiquer l'éco-compteur avec ma box Internet grâce à une solution par CPL, courant porteur ligne, et cela fonctionne très bien. Comment brancher l'éco-compteur Legrand en CPL à la box? Premièrement, se procurer deux prises CPL. Branchez la première à proximité immédiate de l'éco-compteur. Avec un câble Ethernet RJ45, reliez les deux appareils. Branchez la seconde sur la prise d'alimentation de la box. Et branchez la box sur la prise CPL via un autre câble RJ45. Ceci fait, après avoir renseigné la box sur l'adresse IP de l'éco-compteur, celui-ci va transmettre les données de consommation à la première prise CPL. À partir de là, ces données numériques vont transiter via les lignes électriques de l'installation domestique jusqu'à la seconde prise CPL. Ce flux numérique est ensuite transmis à la box par le câble Ethernet. La box émet ensuite ces informations en Wi-Fi. Et enfin, elles sont réceptionnées sur le PC. Là, par exemple, je peux voir le détail des consommations de la journée du 6 septembre. Je peux les visualiser secteur par secteur. Là, la consommation totale de la journée est indiquée en kilowattheure. En cliquant sur cet onglet, je peux voir le coût des consommations de cette journée. Mais je peux aussi visualiser les consommations en direct, secteur par secteur. Voilà, le CPL est une solution peu coûteuse et rapide à mettre en action. Pour consulter la version écrite et illustrée, rendez-vous sur le blog bâtir-sa-maison.net. Abonnez-vous pour être informé des futures publications. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker en cliquant sur l'icône « J'aime ». Merci.